German soldier. French nationalité. Soldat allemand, mais de nationalité française. Ce qui signifie que dans les camps de prisonniers, nous étions 10 fois moins que les Allemands. Les Allemands, ils étaient des Allemands. Mais nous, on était des salopards de Français qui portaient l'uniforme allemand. Alors, ça ne se trouve pas dans les livres d'histoire parce que les Français ont honte qu'ils ont laissé délaisser l'Alsace en 1940. Ils nous ont vendus. C'est tout. Hein? Alors là, hein, faut pas se prendre seulement à ceux qui ont été incorporés de force. Il faut se prendre à ceux qui sont restés en France, qui nous ont vendus. Comment peut-on? Déjà à l'école, on nous a dit, bon, vous êtes français, il y a un serment à faire dans la vie, c'est pour l'armée française. Là. Vous êtes français, donc faites l'armée. Maintenant, les Allemands arrivent et nous annexent. Il faut faire le salut allemand, il faut jurer un truc au Führer. Hein. Est-ce possible de mener les hommes qui sont français de cœur et de nationalité, jurer pour un pays étranger? Mais on était là, on était surveillés devant partout, des officiers en grande uniforme. On a fait ça sur grande échelle avec la musique et tout. Qu'est-ce que vous voulez faire? À quoi ça me sert de ne pas lever la main? Je dirais qu'ils n'ont particulièrement pas eu de chance parce que bon, c'est clair que ça s'est fait contre leur volonté. Déjà, ils ont été incorporés par une armée où ils ne partageaient pas forcément les idéologies. D'ailleurs, en général, ils ne la partageaient pas. Et après, en revenant, avec tout le sentiment de honte, pas forcément d'eux-mêmes, mais même de tout ce qu'ils avaient fait. Pour eux, ils sont encore fait rejeter par les gens qui avaient composé leur milieu familial. Donc moi, je trouve que c'est particulièrement absurde comme situation. Quoi. Ça me rappelle un peu un livre, je me rappelle plus le titre maintenant, où il y a un Roumain comme ça qui se fait incorporer dans un camp, et quand il en sort, il va dans un autre camp, parce que les frontières de son pays ont changé, tout ça. Donc on est ici au pied du mémorial de la DIF, au-dessus d'Aubernais, pour célébrer la mémoire des incorporés de force. Pour des gens jeunes comme vous avez quel âge à peu près? 15 ans. Les autres 15 ans, ça représente quoi? Bah, les incorporés de force, c'est malgré nous. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour vous? Bah, mon grand-père, il en connaissait, mais moi, non, personnellement, non. Est-ce que quelqu'un accepterait de me lire juste la plaque qui est en bas, ce qu'il y a sur la plaque? Je vous dis. Merci. Vous pouvez me lire tout ouais. Ce qu'il y a dessus? Alors, guerre de 1939 à 1945. 130 000 Alsaciens et Mosellans ont été victimes de l'incorporation de force dans l'armée allemande entre 1942 et 1945. 40 000 d'entre eux sont morts, la plupart en terre étrangère. Souvenez-vous-en toujours. Et à la fin, association des évadés et incorporés de force d'Alsace et de Moselle. Et il y a un bouquet de fleurs. C'est la problématique des Alsaciens, bonjour monsieur, qui ont été donc incorporés dans l'armée allemande de force et qu'on a envoyé sur le front russe. Moi, ce qu'on raconte, c'est déjà la façon dont l'Allemagne a traité les cas particuliers d'Alsace et de la Moselle. C'est qu'il n'y a pas eu d'occupation. J'ai été en Alsace, au mois de juillet. Ça a été directement annexé. Et la problématique de ces gosses, c'est que quand ils se sont retrouvés dans les classes dans lesquelles ils ont été incorporés, ça a commencé à 18 ans. Ils ont fini dans les camps soviétiques et on n'a pas tenu cas de leur histoire et on les a oubliés là-bas. Mais vous savez qu'il y a encore pas mal de Français qui sont encore en Russie. Je sais. Vous êtes au moins quand même. Il y a de quoi? Tu peux raconter là. Que je raconte. Non, c'est moi qui ai vécu la guerre et c'est toi qui peux parler. Il y a alors quelqu'un qui est là. Moi, je l'ai vu avec mes yeux. C'est pas toi qui l'as vu. Ah oui. Ah bon, j'ai pas vu exactement en France. Luxembourg, c'est pareil. Il y en a qui sont partis, mais il y en a qui étaient volontaires. Et en Alsace, c'est pareil. Il y en a qui sont barrés et il y en a qui l'ont pris de force, comme je me suis dit. Et il y en a qui étaient volontaires. Oh. Ah ben, il y a plein de partout. C'était à Luxembourg à l'époque. Oui. J'ai tout vu. Hein. Mais non, mais dans toutes les régions, même monsieur a raison, on ne fait pas dans la pièce. Vous avez ces gens. C'est pas, non, c'est pas non, une pièce. Non, mais c'est une pièce de théâtre. Oui, mais, ah, c'est pas une pièce de théâtre. Oui, mais indépendamment de ça, monsieur a raison. Ah, on fait pas. Il n'y a pas que des martyrs en Alsace. Il y a aussi des gens qui étaient sympathisants nazis. Voilà, voilà qui, exactement. Bien sûr. C'est des questions de proportion. Voilà. C'est la proportion la plus importante. On a trop longtemps pour parler de ça. Il y a eu, quand vous voyez le pape qui dit par lui-même, oh oui, c'est toujours nous, comme l'Église a fait son mea culpa, oui, mais c'est toujours nous. Hein? Il faut dire que l'Église a été aussi beaucoup responsable.
L'église a caché énormément de nazis et énormément de. Mais il n'y a pas que. Vous savez, il n'y a pas que l'église qui a caché des nazis. À la fin, par rapport au problème, de radio. Vous savez, par rapport au problème de radio sur Glane, où justement où des Alsaciens, des malgré nous ont été impliqués dans l'affaire. Le commandant de l'unité, de la fameuse unité d'Asreich, a été capturé en zone britannique. On ne l'a jamais extradé, alors qu'il est quand même responsable de son unité et des actions de son unité vis-à-vis de la division d'Asreich. Je suis d'accord avec vous. Rien n'a été fait, les Britanniques l'ont gardé. Écoutez, même en France, qu'est-ce qu'on a encore comme gens qui vivent encore et qui ont fait partie du gouvernement de Vichy? Au-dessus de chez moi, monsieur, j'habitais Porte de Montreuil pendant la guerre, moi. Au-dessus de chez moi, au quatrième étage, la mer, quand elle a vu les Allemands arriver sur la Porte de Montreuil, j'avais que 9 ans. Je me rappelle quand j'étais brusquement aussi renvoyé à ce moment-là. À une photo d'un jeune en uniforme allemand que j'avais vu chez mon voisin et chez le fils du voisin, chez le copain, dans mon Falsbourg où j'habitais. Et je n'osais pas demander après-guerre qui il était. J'ai su que c'était un fils qui était mort sur le front russe. Et quelque part, il n'en parlait pas, moi je n'en parlais pas, et c'était pour dépasser ce mutisme qui me paraissait malsain. Je me suis rendu compte à ce moment-là aussi qu'il y avait énormément de témoignages, des témoignages individuels. En travaillant sur ce thème par la suite, ce qui nous a frappé, mais alors, et qui reste pour moi une impression extrêmement forte aujourd'hui, c'est la densité des témoignages lorsqu'on rencontre d'anciens malgré nous, des gens qui ont été marqués physiquement, psychiquement, qui s'en sont pas remis, et j'allais dire, plus l'âge passe, plus la douleur s'avive, qui ont énormément souffert de l'incompréhension de la nation à coup sûr, des confrères suisses et les Vosges, je ne sais pas trop ce que c'était. J'allais dire l'incompréhension des tout proches. Les malgré nous, carnet à deux voix, par Geneviève Hutin et Jean-Mathieu Zande. Alsace-Moselle 1997. Première émission, l'incompréhension, l'insurmontable. Le 24 août 1942, un décret d'Hitler et du haut commandement de la Wehrmacht incorporait de force 130 000 Alsaciens mosellans dans l'armée allemande après une annexion de fait de l'Alsace et de la Moselle, en violation et des lois internationales qui interdisent d'incorporer des citoyens d'une nation dans une armée étrangère et de la convention d'armistice du 22 juin 40. Etwa kampflos nationalsozialistisch werden könne, etwa kampflos zum Reich zurückkehren könne. Gewiss. Tel, écrit Pierre Kretz, qu'il a fallu inventer un terme, celui de malgré nous. Nous avons circulé de Moselle en Alsace, nous avons rencontré des témoins, eux-mêmes anciens incorporés de force. Nous avons rencontré leur peine à raconter 50 ans après, cette souffrance de destin individuel, tous les mêmes, tous différents. En les écoutant, nous avons ressenti la douleur toujours, notre propre scepticisme parfois, entendu les mots qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Tambov, Oradour, serment, abandon. Procès de Bordeaux, comme un écho malsain 45 ans après. Nous avons ressenti parfois comme un recroquevillement de la mémoire, avec une histoire et des histoires marquées par 4-5 changements de frontières et de nationalité. Cette bascule identitaire à répétition qui vous transforme en l'autre, puis en l'ennemi de l'autre, puis en l'autre ennemi, puis en l'ennemi de vous-même. Au-delà de ces frontières d'Alsace-Moselle que vous destinez aux Heergelofener, les Français de l'intérieur, ou aux Schwove, les Boches, qu'y a-t-il derrière votre cri « Vous ne pouvez pas nous comprendre » Alors, en 1939, quand la guerre a éclaté, moi, j'avais 14 ans. Léon Brun, insoumis mosellan. Alors, nous avons été évacués à Civray, dans la Vienne. C'est à peu près à 50 kilomètres au sud de Poitiers. Et là-bas, on s'était réjouis d'aller en France, mais malheureusement, l'accueil a été extrêmement pénible et mauvais. Nous étions les Boches de l'Est.
Dans la rue à Civray où on était, il y a beaucoup de gens de là-bas, de Civray, qui nous crachaient devant les pieds quand on passait dans la rue. Ben, c'était les poches de l'Est. Mais il y avait aussi des poches du Nord, vous voyez, tout ça. Hein, eux, c'était les Français, nous, zéro. Et c'est une des raisons pour laquelle, lorsque les Allemands sont rentrés à Civray, et lorsqu'on nous a demandé si on allait rentrer chez nous, mon père et ma mère, ils ont dit, oh non, là, on était trop mal accueillis, on rentre chez nous. Alors moi, j'ai dit, j'aime pas tellement, parce qu'avec les Allemands, hein, et ma mère qui dit cette fameuse phrase, tu seras soldat à 21 ans, aujourd'hui tu as 15 ans, est-ce que tu crois que cette guerre va encore durer 6 ans? Avec les Allemands au canal, presque jusqu'à Bordeaux, je dis, non, je crois pas, t'as raison, on rentre. Voilà, voilà, on est rentré. Et en rentrant, ben, le cercle s'est fermé sur nous. Alors une première fois, enfin, j'ai essayé de continuer mes études, j'étais au lycée de Forbach, la Oberschule de Forbach, et en parlant, en exprimant un peu trop fort une opinion qui plaisait pas au docteur Lehmann, qui était le directeur, j'ai été expulsé ipso facto à 9h30 du matin. Le directeur marchait de long en large en disant, après cette guerre, nach diesem Krieg, werden wir die katholische Religion mit Stumpf und Stiel ausrotten. Quand cette guerre sera terminée, nous exterminerons la religion catholique mais jusque dans ses racines. Et puis il était là, et moi je fais comme ça. Ça m'a échappé. Alors il me regarde et me dit, mais mettez-vous mes paroles en doute? Alors je lui ai dit, non, pas maintenant. À l'époque, ils étaient 12 bonhommes. C'est là qu'il fallait les prendre. C'était rien du tout. Mais s'ils en persistaient pendant 2000 ans, alors je lui ai dit, mais écoutez, monsieur le directeur, si jamais vous y arrivez, je serai le premier à vous enlever le chapeau et à dire, formidable, personne ne l'a fait avant vous. Alors ça lui a suffi. Dehors, expulsé. Et avec la mention, attention, hein, le reste suivra. Cela signifie une dénonciation à la Gestapo avec arrestation des parents et déportation dans le camp de concentration. Ça, je le savais. Alors là, je vous présente une pièce. C'est une pièce qui est datée du 29 décembre 1942. En me demandant de présenter le 16 janvier 1943 à 8h, hein, pour être ausculté si je suis apte à devenir soldat, c'est-à-dire de passer le conseil de révision. Bon, alors pour moi, il n'y avait qu'une chose, c'est de faire comme dans la fable de La Fontaine, hein, le chêne et le roseau. Lorsqu'il y a eu une tempête, le chêne s'est bien mis là et il a été déraciné. Tandis que le roseau, il a incliné la tête, il a plié et il est resté, il a survécu. Ah, je me suis dit, bonne politique. Et maintenant, remontons le cours de l'histoire pour comprendre l'idée d'abandon de l'Alsace et de la Moselle, si souvent rencontrée au cours de ce voyage. De 1871 à 1940, y a-t-il une différence ou une répétition d'une annexion à l'autre? Alfred Wahl, historien. Oui, il y a là un thème intéressant dans la mesure où on retrouve jusqu'au moment où il y a le problème des malgré nous et dans leur mémoire aujourd'hui cette idée d'abandon. D'abandon par la France, et effectivement on peut remonter très haut et notamment en 1871 lorsque Thiers, chef du gouvernement de la Nouvelle République française, a quasiment signé rapidement l'armistice avec l'Allemagne. Et avec comme sanction la perte de l'Alsace et de la future Moselle, c'est-à-dire une partie de la Lorraine. Et ceci malgré les protestations des élus autochtones qui avaient été élus dans suffrage universel, et malgré les tentatives de résistance qui ont eu lieu, notamment dans les Vosges, dans la suite de Gambetta, qui d'ailleurs ont été condamnés par des notables alsaciens également.
Donc cette idée d'abandon, elle a véritablement un fondement sérieux. Oui, par exemple, il y a eu une protestation des députés alsaciens à un moment donné, à Bordeaux. Oui, la fameuse protestation de Bordeaux, quoi, où les députés alsaciens ont lu un texte à l'Assemblée nationale qui venait d'être élue pour récuser l'idée d'être rejeté de la France. Mais il faut bien dire une chose, la population française ne demandait qu'une chose, c'est que la paix arrive, et surtout dans les milieux de la grande bourgeoisie française, où on craignait par-dessus tout que cette guerre se termine par une révolution. Il y a eu d'ailleurs la révolution après, la commune. Mais en fait, plutôt que la révolution, liquidons la guerre le plus vite possible au prix de la perte de l'Alsace et de la Moselle. D'ailleurs, on a de nombreux documents, des textes, de rapports de préfets qui expliquent que les habitants de l'Odève ou d'ailleurs n'en avaient rien à faire de l'Alsace et de la partie de la Lorraine, et qui étaient prêts à abandonner tout le nord de la France s'il le fallait pour être tranquille. En 1940, disons que la population globale de la France avait plus d'excuses de s'être résignée ou d'avoir accepté cette situation aussi facilement. Elle avait plus d'excuses qu'en 1870. Je dirais que les circonstances sont pas tout à fait les mêmes, même s'il y a quelques aspects semblables. En fait, la résignation de la population française devant la défaite, mais cette défaite, elle était beaucoup plus irrémédiable qu'elle ne l'était en 1870, où tout le monde pensait à ce moment-là que c'en était fini pour toujours, avec la puissance de l'Allemagne. La guerre était terminée. L'Europe était allemande, et personne n'imaginait à cet instant que ça pourrait changer. Par conséquent, on comprend beaucoup mieux que cette fois, la France, c'est-à-dire en l'occurrence Vichy, qui avait l'approbation d'une très grande majorité des Français, que Vichy s'y soit résigné. Là, c'est véritablement une résignation et pas un abandon dans les mêmes conditions qu'en 1870. Mais si Vichy n'a pas protesté ensuite, c'était vraiment qu'elle n'était pas en mesure de le faire. Elle aurait pu faire quelques protestations morales, c'est ce qu'elle a fait de temps en temps, mais enfin sans trop de conviction, sachant très bien le caractère inflexible et implacable du régime nazi. L'Alsace et la Lorraine, de fait, viennent d'être incorporées à l'Allemagne. Aucune voix en France ne s'est élevée pour protester. Ici, nous protestons. Le monde entier doit savoir. Et la France n'accepte pas cette annexion. Le colonel Géraud, Alger, 1943. L'Alsace et la Lorraine redeviendront françaises dans une France complètement libérée. Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. La France s'est ressaisie. Cette première rencontre entre le vainqueur et le vaincu marque le premier redressement de notre pays. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Les modalités en seront discutées ultérieurement. Conformément au plan d'évacuation, le 2 septembre 1939, les populations situées au nord de la ligne Maginot, 374 000 Alsaciens et 227 000 Mosellans, abandonnent leurs terres, leurs biens, leurs récoltes, leurs animaux. En quelques heures, au son du tocsin, il faut partir avec 30 kilos de bagages. Puis les évacués sont transportés par wagons à bestiaux vers les localités du sud-ouest. Gers, Lot-et-Garonne, Landes, Dordogne, Haute-Vienne, Indre, Vienne, Charente, Charente-Inférieure. Plus tard, après la défaite de juin 40, commenceront les expulsions. Ça s'est très bien passé cette année en Charente, c'est très bien passé, malgré que nos parents ne sachent presque pas parler le français. Adolphe Thiel, romancier. Et je me souviendrai toujours le moment du départ où il a fallu partir. Ça, c'était aussi un moment très, très important lorsqu'il fallait rentrer. Alors, évidemment,
L'appel du 18 juin du général de Gaulle, hein. Je n'en veux pas au général de Gaulle, mais il faut voir comment les gens ont accueilli cela. Les gens ne l'ont pas accueilli d'une façon patriotique, parce que pour eux, de Gaulle était à Londres, à l'abri, et eux avaient les Allemands sur le dos. Hein. Et nous, nous savions qu'on n'avait pas d'autre solution, ou rester en Charente, ou rentrer. Mais mettez-vous voir à la place d'un paysan comme mon père, et d'un ouvrier ou d'un commerçant, qui a sa maison, qui, le commerçant, a son commerce à Sargemina, à Strasbourg, n'est-ce pas, ou à Saint-Avold, où le paysan, il a sa ferme ici, et là-bas, il était valet, valet de ferme. Alors, quand le vieux père Desmazeaux est venu et a dit, voilà, vous pourriez rester ici, etc., on ne vous demandera pas de loyer, vous aiderez, vous travaillerez, etc. Alors, mon père a dit, explique-lui, voir. Que à la maison, je ne suis pas valet de ferme, mais que je suis mon propre propriétaire. Et puis il a dit, tu peux lui dire aussi que je n'ai jamais réussi à me faire à la démarche des bœufs, parce qu'à la maison, j'ai des chevaux. Et les chevaux marchent beaucoup plus vite. Une remarque au sujet de nos parents. Ils n'ont jamais été à l'école française, puisque l'Alsace et la Moselle étaient allemands de 1871 jusqu'à 1918. Les parents étant nés aux années 1900, avait 18 ans ou 14 ans à la fin de la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Et pour eux, il s'agissait de rentrer dans la vie active, plus question de faire des études. Et dont ils ont appris un peu le français par ordre alphabétique au cours du soir. Oui. La lune, der Mond, la lime, etc. Oui. Oui, alors, on est donc revenu, hein, alors, quand nous sommes revenus... Le passage à Saint-Dizier, sur le coup, les gens n'avaient pas très bien compris la raison. Bon, tout ce qu'on, il y avait déjà un chevalier de l'ordre nouveau, n'est-ce pas, un nazi qui, pendant que le train, avant que le train arrive dans la gare de Saint-Dizier, était passé à travers les wagons en disant préparez les livrets de famille, les chefs de famille, vous devrez tout à l'heure les présenter. Bon. Alors, le train arrive dans la gare de Saint-Dizier, on était tout étonnés, on a entendu dans les haut-parleurs, hein, il y avait des chants allemands de la Première Guerre mondiale, et ça c'était aussi, c'était voulu, c'était une propaganda, hein, comme ils disent, qui était très bien organisée, parce que tous ces chants, par exemple, dit Wartamrein, et tous ces chants que nos parents ont entendus à la Première Guerre mondiale, où ils étaient, comme disait Louis Gabriel, ils étaient allemands, hein, puisque Lorraine était allemande. Et alors, ils ont donc fait jouer tout cela, et ensuite, bon, ils sont venus. Allez, avec les livrets de famille, vous allez dans, vous vous rassemblez dans la grande salle. Bon, on arrive dans le grand hall de la gare de Saint-Dizier, tous ces trains qui s'arrêtaient. On vous demandait de signer à Saint-Dizier. Et alors attendez, alors on, ils arrivent là-dedans, hein, qu'est-ce qu'ils voient ? Un portrait immense du Führer et un podium. Hein, et alors là, il y avait trois ou quatre nazis en uniforme. Et alors, un docteur von, hein, on n'a pas donné le nom, qui commence à nous parler, hein, et à parler donc en allemand, puisque les parents le comprenaient, en disant, vous allez maintenant retourner au pays de vos pères, hein, Vaterland, hein, etc., que nous avons été injustement séparés de la mer, du pays de nos pères, et que maintenant nous allions retrouver ce pays. Et tout un laïus sur notre malheur, parce que pour eux c'était un malheur que la Lorraine et l'Alsace aient été rattachées à la France avant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Signer ou pas ? Et ce qu'il y avait aussi de bizarre, c'est que... Qu'est-ce qu'on signait exactement ? Alors, oui, alors voilà, il fallait signer pour obtenir un laissez-passer pour rentrer. C'était une petite feuille, soi-disant un laissez-passer, mais les gens n'ont pas senti que c'était en réalité, j'allais dire, un référendum déguisé. Ils voulaient voir combien les gens allaient signer cela, et donc accepter en quelque sorte, parce que le signer pour eux, c'était accepter déjà. Ça voulait dire rentrer, mais on acceptait. Mais bien sûr, parce que je sais que quand mon père est allé pour signer, pour avoir son petit papier, donc le droit de rentrer de la famille, alors il était là, il hésitait, et ils s'en discutaient longtemps entre eux. Et à un moment donné, beaucoup de gens ont dit, montés, à la tête montée par certains qui ont dit, écoutez, on ne va pas signer, personne ne va signer. Et alors, il y avait des... Mais alors, vraiment, la propagande avait bien monté ça. Des espions qui couraient, des gens qui disaient, mais si, il faut signer, nous aussi, on a signé. Mais on n'a jamais su. Et là-dedans, il y avait des Sarrois qui parlaient pratiquement notre langue et qui étaient payés pour faire cette propagande. Et ils ont, quand ils ont vu que ça, que beaucoup de gens n'allaient pas signer, alors ils ont lancé le bruit que ceux qui ne signeraient pas seraient débarqués à Saint-Dizier et ne rentreraient pas.
Alors évidemment, dites-moi à une famille, hein, attention, on va vous débarquer sur le quai de la gare, hein, et débrouillez-vous, et vous ne rentrerez pas. Il faut se mettre à leur place. Alors, je sais encore que mon père a dit, unterschreiben Sie den Eintritt in die Volksgemeinschaft, etc., ou un truc comme ça. Mon père a dit, ich unterschreibe, um nach Hause zu gehen. Je signe pour rentrer chez moi. Et l'autre lui dit, das ist dasselbe, c'est la même chose. Et lui a répondu, noch lange nicht. C'est pas du tout, c'est de loin pas la même chose. Et alors il a mis une croix à côté. Après, ma mère a dit, tu aurais mieux fait de te taire. Tu vois, il fallait déjà que tu te fasses remarquer. Mais ce que les gens n'ont pas compris aussi, pourquoi Saint-Dizier, hein? Oui. Eh ben, Saint-Dizier, c'est que Hitler avait prévu que s'il gagnait la guerre, il rattacherait à l'Allemagne toute l'ancienne Lotharingie telle qu'elle résultait du partage de l'empire de Charlemagne. Et autrement dit, Saint-Dizier aurait été la dernière ville française. Et cela explique que ceux qui n'auraient pas accepté auraient été débarqués là-bas, c'est-à-dire seraient restés ce que Hitler appelait la France, ce qui aurait été la France. Une chose qui m'avait fait vraiment plaisir à ce moment-là, qui montre bien la mentalité des gens pendant cette période, un soir, Radio Londres avait, tu sais, pom 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 pom, hein. Oui, oui. Radio Londres avait annoncé que les Allemands avaient l'intention de rapatrier les enfants, les jeunes des expulsés. C'est-à-dire tous ceux qui pouvaient avoir l'âge d'aller à l'Arbeitsdienst, justement, ou à l'armée. Et nous avions bien sûr entendu ça le soir. Mais ce qui était formidable, c'est que le lendemain matin, en arrivant au collège, tous les copains se sont précipités sur nous en disant « T'as entendu hier soir Londres, hein? J'espère bien que t'iras pas. Moi, j'ai un grand-père à Noirétable où tu peux aller te cacher. » Un autre me disait « Moi, j'ai une tante dans la plaine, n'importe où. » Enfin, tout le monde nous trouvait des adresses pour que surtout nous ne rentrions pas. Hein. Qu'est-ce que vous avez pensé, Madame Chapoulard? J'ai pensé que, maintenant que la guerre est finie... Nous ne rentrons pas en Alsace. Non? Et pourquoi? À cause des Allemands. Oh, Monsieur Meyer, de quoi vous plaignez-vous? Vous êtes toujours avec les vainqueurs. Ça dépend à quel point de vue on se place. Mais après tout, on a beau dire les Allemands, ce sont des gens comme nous. Et même que le maréchal Pétain dit qu'il fallait qu'on s'entende, qu'on collabore, même qu'il a dit le maréchal que la guerre est finie. Voyons, Monsieur Meyer, vous ne seriez pas heureux ici. Nous vivons à une époque, Madame Chapoulard, où il ne faut pas chercher à être heureux, mais simplement à ne pas être trop malheureux. Mais tout ça, c'est les balivernes. Si les Espagnols, les Argentins ou les Chinois venaient nous occuper ici, à Brantôme, vous croyez que je m'en irais, moi? Non? Moi, je leur ferai un peu voir, moi, aux Argentins. Moi, je suis chez moi, ici. Et puis, c'est pas tout à fait des étrangers pour vous, les Allemands. Ils vous comprennent. Et vous, avec votre mentalité spéciale, vous les comprenez. Certainement mieux que nous. Ah, encore vous, vous parlez le français. Mais les autres, yaya, qui mâchent de la paille du matin au soir, vous croyez pas qu'ils seraient plus heureux chez eux, même avec les Allemands? Tenez, par exemple, Monsieur Meyer, entre nous. Je vous aime bien, vous le savez. Mais les petits, Charles et Monique, pourquoi ils parlent allemand entre eux? Ils parlent pas l'allemand, ils parlent le dialecte alsacien. Oh, c'est du pareil au même. Et à Noël, Monsieur Meyer, qu'est-ce qu'ils ont chanté? Un chant français, peut-être? Extrait de « Enfin, n'en parlons plus », une pièce alsacienne sur les Malgré nous. Stimme war in mir, ob's Französisch sein, aber lieg's nicht. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Und nicht nur zum Sommerzeit, nein, auch im Winter. Singe schon wieder Deutsch!
Hat er denn in den 20 Jahren überhaupt nichts Französisches gelernt? Doch, Papa, ich weiß es. Ist der Elfermess? Also stimmt die an. Dieu de Clémence, ô Dieu vainqueur, sauvez, sauvez la France. Gabriel, incorporé de force à 17 ans dans les Luftwaffenhelfer. Pour compléter ce que tu viens de dire, il faut aussi souligner que le Lorrain moyen qui était en Charente, il voulait rentrer, retrouver sa maison, sa terre. Et pour nos parents, ils ne connaissaient pas le régime nazi. Pour eux, c'était des Allemands d'avant la Première Guerre. Et il y a eu des confusions, même sous l'angle artistique, parce que beaucoup des personnes qui ont pu faire des études, eh bien pour eux, c'était un retour à la source. La langue de Goethe était pour eux un enrichissement, alors qu'ils connaissaient mal, ce qu'on vient de souligner, oui, la langue française. Ça, oui. C'est aussi ça. Un aspect, c'est seulement maintenant qu'on a vu... Enfin, ou 5-6 ans après, ce que le régime nazi a pu produire comme méfait. Mais il faut toujours être prudent lorsqu'on affirme, en 40, ils sont rentrés. Oui, parce que là où ils étaient, ils n'avaient rien. Et ils n'étaient rien. Et ils n'étaient rien. Jean Kiffer, historien. Donc se pose le problème de savoir pourquoi, en définitive, un si grand nombre de personnes ont opté pour le retour. Est-ce qu'on peut avoir des idées de chiffres? Parce qu'on parle donc de 130 000 à 140 000 incorporés de force pour le sujet qui nous occupe, Alsacien-Mosellan. On parle des gens disparus ou morts en Union soviétique. Qu'est-ce que ça représente en termes de des gens qui retournent en Moselle? Pour ce qui est de l'aspect mosellan, on peut évaluer la population mosellane au moment du déclenchement des opérations militaires à environ 650 000 personnes, 650 000 habitants. On peut considérer que les évacués ont représenté au moins 300 000 personnes. En ce qui concerne le retour, on a bien sûr des chiffres moins précis, enfin à ma connaissance du moins, mais on peut considérer que c'est la majorité des gens évacués qui sont revenus ensuite dans leur région d'origine. Alors en ce qui concerne les conditions politiques, je crois que la nature du régime hitlérien que les gens allaient retrouver en rentrant ne leur était pas inconnue. Et je peux même citer un témoignage d'un militant communiste qui avait donc milité au Parti communiste en Moselle et qui connaissait donc parfaitement la situation faite aux communistes allemands par le régime nazi. Il est quand même revenu. Il m'a dit être revenu avec la peur au ventre, mais il n'était pas dupe sur la nature profonde du régime politique qu'il allait retrouver en rentrant. Alors pourquoi ce retour au pays? Pourquoi cet appel de l'identité, tous ces phénomènes, j'allais dire, de personnes déracinées hein, par ces déplacements de population, pourquoi sont-elles revenues? Je pense que faut revenir à la question linguistique. Lorsque les Mosellans ont été évacués, une majorité d'entre eux parlaient le dialecte. Donc, on rencontrait des problèmes d'intégration dans les départements d'accueil. Mais dans ces départements, la barrière linguistique a été un frein à l'intégration. On ne peut pas faire l'économie de regarder les difficultés d'intégration
linguistique, mais aussi sociale et économique dans les départements d'accueil. Et peut-être que le retour leur apparaissait comme un poids moins lourd à gérer. Il faut penser aussi qu'ils étaient partis en abandonnant la quasi-totalité de leurs biens. Et je rajoute enfin que toute leur vie, tout leur patrimoine culturel, y compris leur mort, se trouvait dans le département de la Moselle. Et donc on peut aussi considérer que ce retour n'est peut-être pas une option politique déterminée ou, si vous voulez, le fait que le régime qu'ils allaient retrouver leur plaisait. Je pense même tout à fait le contraire. Je pense qu'ils ont mesuré parfaitement le risque. Mais ce qui a été le plus fort, ça a été de retrouver ce que eux imaginaient être une vie plus normale. Certains témoins de cette époque nous disent qu'ils s'attendaient peut-être à retrouver l'armée allemande de 14-18. Oui, ou une certaine civilisation allemande, ou une certaine Allemagne libérale d'avant 14. Je suis assez dubitatif sur cela. Je pense que les relations franco-allemandes ont été suffisamment tendues entre 1933 et 1939, et l'impérialisme nazi, la brutalité du régime nazi, les vociférations à Hitler sur les ondes de Radio Sarrebruck, comme on le disait tout à l'heure, ne laissaient guère de doute. D'autre part, je pense qu'il y avait présent à l'esprit le souvenir de l'annexion de 1871 à 1918, où le phénomène du service militaire s'était déjà posé dans la Reichswehr. Donc, pouvait-il sérieusement penser que cette fois-ci, les autorités politiques allemandes feraient l'économie de l'incorporation du service militaire? Peut-être que leur questionnement personnel n'allait pas aussi loin, mais les risques potentiels étaient quand même en gros identifiés. Vous parlez de l'analyser des méthodes d'un régime totalitaire, et on voit très bien que le régime nazi manie aussi bien une certaine démagogie, un légaliste, que la terreur et l'oppression qu'on a vue. En particulier pour sortir soit du discours, j'ai pas pu faire autrement, soit du discours, vous êtes tous des vendus, qu'on peut entendre, ou des stipendiés, ou vous êtes de faux malgré nous. Est-ce que vous pouvez pour une population de jeunes gens, éventuellement dans un milieu paysan, pas forcément très informé, pas avec un niveau de conscience très 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 important, comment peut se passer petit à petit ces mesures qui viennent happer de plus en plus ces jeunes vers une incorporation qui effectivement qu'ils ne veulent pas, mais dans lesquelles ils vont être contraints, puis peut-être certains satisfaits ou pas si mécontents que ça, parce qu'ils vont retrouver une camaraderie, des actions peut-être héroïques ou de... J'ai envie de vous répondre. Freddy Raphaël, sociologue. Je crois qu'il y a deux moments très nets. Il y a le moment où un système se met en place, et avec des appuis, et je vais m'expliquer là-dessus, bien avant le début de la guerre, et le deuxième temps que le système est là, je crois qu'il ne reste plus vraiment des espaces extrêmement limités de liberté interstitielle. Dans certains cas, pour les jeunes, certainement pas. Ils n'ont pas pu. Les jeunes appelés n'en avaient pas du tout. Pratiquement pas. Pour le reste de la population, il y a eu quand même des formes d'une mémoire. Et quand on le dit ici, ça crée scandale. Mais pour moi, la mémoire bannie à l'heure actuelle de l'Alsace, c'est pas la mémoire des malgré nous, c'est la mémoire des résistants. Il y a eu énormément de formes de résistance et d'activités résistantes dans ce pays. Certainement autant, sinon plus, que dans le reste du territoire, alors que le pays était annexé. Pratiquement, on refuse d'en faire mémoire. Pourquoi on refuse d'en faire mémoire ? Parce que quelque part,
ils réintroduisent une possibilité de choix, donc une responsabilité. On ne veut pas le savoir. Et je refuse, moi, de jouer les uns contre les autres. C'est inadmissible, mais je veux faire mémoire aussi des résistants. Mais pour revenir à votre question, je pense que, pour le temps d'eux, quand un régime est en place, il est extrêmement difficile pour des jeunes de faire la part des choses. Tout, dans leur formation scolaire qu'ils ont reçue, l'association entre l'efficacité de l'école et de l'idéologie que véhiculait tout enseignement de l'école, hein, depuis j'ai des livres de maths, de calcul dans le primaire, qui sont bourrés de perspectives racistes. J'ai fait une exposition l'année dernière sur des tableaux pédagogiques. Il y avait des tableaux pédagogiques en Alsace qui montraient que voilà ce que nous coûte un aliéné par jour. Voilà le nombre de maisons ouvrières que nous pouvons construire avec ce que nous coûte un jour si nous l'accumulons. La logique imposée de détruire, je dis bien, hein, le malade mental pour que des gens, des familles puissent avoir une maison auquel elles ont droit. Donc lorsqu'on est manipulé par l'enseignement, lorsqu'on est manipulé idéologiquement par le mouvement jeunesse, par le chant, par les mouvements, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, hein, le nombre de jeunes qui savent, enfin moins jeunes, mais qui étaient jeunes alors, qui savent chanter encore à l'heure actuelle les chants nazis, et des chants qui sont rentrés dans leur corps. Hein. Je veux dire, le défilé, la jouissance qu'il y avait dans une petite ville, me raconte-t-il, à 6h du matin en été, déjà de défiler pendant que les adultes étaient encore en train de dormir, et de chanter en martelant le pas parmi les mains. Bon, je pense que vraiment pour ce temps d'eux, il est extrêmement difficile pour un jeune d'avoir du recul, de prendre ses distances. J'en ai connu. Il y a un de mes collègues qui m'a dit, c'est par le scoutisme. Quelque part, j'étais fasciné par la jeunesse hitlérienne, par la Hayot. Mais j'avais fait ma promesse. Et puis une promesse à la France. J'avais pas le droit. Mais bon, c'est un. Et je dis pas qu'il est bien, mais il en parle. C'est un collègue de l'université, il en parle, il explique cette fascination. Je crois qu'il est très difficile. Par contre, et là j'insiste beaucoup et je reviens à ce qui est moins fondateur, le temps qui a précédé. Alors lui est beaucoup moins innocent. Et lorsqu'on vous dit effectivement on ne savait pas, je ne suis pas d'accord. Parce que quand je lis la presse à partir de 1933, en Alsace, y compris la presse, j'allais dire de tendance confessionnelle, la presse fortement imprégnée par le monde catholique, par exemple. Je suis frappé combien cette presse, qui n'est pas spécialement républicaine, hein, qui n'est pas, donne des informations sur ce qui se passe en Allemagne. On ne peut pas ne pas savoir. Alors lorsqu'on me dit, on attendait les Allemands d'avant 14, par malheur ce sont deux... quelque part, je ne le pense pas, je n'y adhère pas, je ne peux pas. Je dis qu'il y avait, je pense que ce pays a été relaté, les médias, il est tellement facile de crier haro sur les médias ont bien fait leur travail d'information ici. J'ai vu aussi, je viens d'avoir dans un travail, alors ça c'est ma méconnaissance à moi, vous êtes de la radio, mais vous verrez, on n'est pas tellement loin, je vois que dans ce pays, au moment du Front Populaire, Georges Mandel veut essayer de réagir à la propagande nazie vis-à-vis de, à l'encontre de la France. On lui conseille de faire appel aux exilés allemands, réfugiés politiques, qui se trouvent à Paris, étant donné qu'eux connaissent bien le terrain et ont les arguments. Eh bien, une partie de chroniqueurs alsaciens se mobilisent pour dénoncer, je cite, les métèques, fauteurs de guerre, qu'on emploie à Paris. Donc, il ne faut pas non plus, on n'arrivera à rien si on ne réfléchit pas comment, quelque part, ce pays était partiellement, je dis bien, partiellement miné avant-guerre par une idéologie rampante qui, quelque part, amenait, non pas, je dis, pour certains, ça a été une minorité, très petite minorité, une collaboration active, mais en tout cas, un attentisme d'une grande partie de la population. Et c'est vrai que je crois que pour nous, il y a une leçon là, fantastique, hein, à propos du malgré nous. Ce régime, un régime comme ça, une fois qu'il se met en place et qu'il fonctionne, pratiquement l'individu est broyé, c'est avant qu'il faut prendre... au moins autant ses responsabilités, et qu'on a en tout cas une possibilité de choix plus grand. Décret. Le chef de l'administration civile en Alsace peut ordonner une interdiction de résider en Alsace contre les déserteurs,
aux personnes qui se dérobent au devoir de défense ou au devoir du service du travail, ainsi qu'à l'encontre de leur parenté. L'interdiction de résider a comme conséquence l'éloignement en colonie des personnes concernées. La parenté, suivant le sens de l'article 1er, regroupe les parents et alliés de lignes montantes et descendantes, les parents adoptifs et nourriciers et leurs enfants, le mari, ses sœurs et leurs maris, qui ont vécu avec le fuyard jusqu'à sa fuite. Le Gauleiter Robert Wagner, 1er octobre 1943. Malgré nous, lorsqu'il est devenu âgé, lorsqu'ils évoquent cette époque et qu'on leur demande devant quel choix ils ont été placés, ils disent « on s'est sacrifié pour nos parents, on a fait un sacrifice moral ». Qu'est-ce que vous pensez de ce discours ? Je pense que ce n'est pas qu'un discours, je pense que c'est vrai. C'est vrai qu'à partir d'une certaine période, il faut être aussi honnête, cette loi de la Sippenhaft, donc la responsabilité familiale et collective, n'a pas été prise tout de suite, elle est plus tardive, mais ça n'enlève rien. Je crois qu'effectivement, un certain nombre de jeunes qui sont partis, donc ils n'ont pas essayé, pendant qu'il était temps encore, parce que peu à peu après, la frontière a été beaucoup plus surveillée, il y a eu le drame de Ballersdorf, il y a eu donc des jeunes qui ont été arrêtés, tués, et que encore aujourd'hui, une partie de Ballersdorf leur en veut d'avoir pu donner l'occasion, ce qui n'a pas été le cas, de représailles. Mais je pense qu'effectivement, tous ces choix se faisaient quand même là. Que vont devenir les miens? Qu'est-ce qu'ils vont faire d'abord sans moi, tout simplement, j'allais dire, même pas dans une perspective de représailles, mais de responsabilité en face de celui qu'on laissait, qu'on abandonnait, et puis effectivement, dans un deuxième temps, de représailles, et qu'un certain nombre n'ont pas voulu, et c'est tout à fait exact, compromettre leurs parents, leur famille, c'était un choix impossible. Et d'où, si vous voulez, j'en reviens à ce que je disais un peu tout à l'heure, moi, ce qui me paraît fondamental, c'est de voir avec quelle force, avec quelle complicité, à la fois par inertie d'une part, et d'autre part par quelle complicité active, un tel système se met en route, se constitue, qui ne laisse plus un individu, j'allais dire à la limite, hein, un peu pour être sartrien, qu'être soit un héros, soit un salaud. J'ai fait mon examen d'abitur, donc c'était mes fins d'études, en janvier 44, et cet examen avait été avancé de 3 mois en vue d'une incorporation plus rapide dans l'RAD et la Wehrmacht pour les garçons, l'RAD et le KAD pour les jeunes filles. Hein. Donc dès que j'ai eu en main mon Stellungsbefehl, et qui est donc une obligation de se présenter, dans un camp, hein, je suis partie avec mon bagage, un bagage minimum, le 7 février 44. Donc la mort dans l'âme, j'ai pris le train, direction Grosse Reich, rejoindre ce camp de travail dans le Württemberg. J'étais une petite fille qui avait été couvée et qui n'avait jamais voyagé seule. Mon père me disait, avant que je parte, il a dit, écoute, si je devais faire le serment parce qu'il fallait dire « ich schwöre ». Je jure. Alors tu dis tout simplement « ich höre ». J'entends. Le prononciation, et personne ne fait attention. Et comme ça, si quoi qu'il se passe, ou que tu sois prisonnier, tu n'as aucun souci à te faire pour ta conscience. Oui. Bon, ça ne s'adressait pas encore à moi directement, mais autour de moi, on en parlait beaucoup. Et pour moi, l'arbeitsdienst, c'était ce qui arrivait aux grandes. Moi, j'étais la petite, et pour moi, non, mais les grandes, oui. Et tout le monde se défendait contre cette chose-là. Personne n'aimait y aller. Et c'était la grande question, comment l'éviter, comment faire. Alors, les unes espéraient se casser la jambe, les autres se faisaient opérer 8 jours avant d'une appendicite aiguë. Et moi, je me disais, bien sûr, moi non plus, je n'irais pas faire ça. D'un autre côté, on les voit... Celles qui partaient revenaient en disant ce qu'elles avaient fait. Elles avaient manié la pelle, elles avaient fait des tranchées. Elles étaient presque comme des petits soldats, elles portaient un uniforme. Alors là, l'uniforme, évidemment, le petit foulard, le petit anneau en cuir pour tenir tout ça, ça peut-être, ça pouvait avoir... ça, oui.
Vous avez essayé de vous soustraire. De me soustraire, naturellement, par tous les moyens. Comment vous soustraire, ouais. La première fois que j'ai passé l'examen médical, on m'a dit, ah, vous êtes trop maigre. La France vous a mal nourri. Moi, du fond de mon cœur, j'ai dit, peut-être qu'il y a une chance que j'ai mal nourri. Et tout de suite, il m'a répondu, mais oui, mais ça va changer chez nous. On va vous mourir, On va vous nourrir d'une façon correcte. Et comme ça, vous pourrez aller faire le Reichsarbeitsdienst, donc travailler en Allemagne. Ce qui n'a pas loupé, j'étais obligé de partir, je ne pouvais pas faire autrement. L'insurmontable, c'est aussi cet enchaînement qui, de signature en serment, de la préparation militaire du Reichsarbeitsdienst à l'incorporation et à l'envoi au front, nourrit la logique nazie, si souvent décrite comme un engrenage. De toute façon, là, maintenant, il faut souligner que les événements se sont précipités parce que, donc, en 1943, nous avions 16 ans et demi, et je me rappelle éternellement, les cours avaient repris en début septembre, la porte s'ouvre, le directeur qui se ramène, j'ai une joyeuse nouvelle pour vous. Les Lorrains se regardaient, vous allez avoir un bel uniforme, nous allons très rapidement passer dans la salle de fête, vous examiner du point de vue santé, c'était un conseil de révision, et le lendemain, nous voilà avec nos valises pour la DCA. Oui. Eh bien oui, pour l'Allemagne. À l'époque, vous aviez 16 ans. 16 ans et demi. Et vous êtes incorporé à ce moment-là? À ce moment-là, le lendemain. Dans une école militaire de préparation. Dans une section encadrée par des officiers et des soldats de la Luftwaffe. Et au bout d'un mois, nous étions formés et mis derrière nos canons. Et nous devions tirer sur les avions anglais ou américains qui venaient régulièrement attaquer la ville. René Kapp, incorporé de force alsacien. Je disais, le jour viendra où tu foutras le camp chez les Russes. Bon, les partisans, on se méfiait plus, si vous voulez, parce que on a eu trop d'échos qu'il fallait se méfier. Hein. Il faisait pas de quartier. Alors on s'est dit, bon, attendons, quand on va au front, le premier moment venu, on va se tailler. Mais quand vous êtes jeune, moi je voyais le front ici, dans les jardins des étrangers creusés par l'armée française, et j'ai dit, bon, les autres sont de l'autre côté, le jour venu ou la nuit, ils taillent, mais c'est pas comme ça, en pratique, c'est pas ça du tout. Bon, alors on était là, toujours à l'instruction, avant d'aller partir au front, à Podsenice, dans le fameux village, où on logeait dans les creuniers, et j'ai fait la connaissance, vous voyez, de Anouchka. Et c'est une jeune fille de 17 ans, magnifique, belle. Et on a vu, moi aussi j'étais jeune, nous étions tous jeunes, hein, qu'elle cherchait à approcher. Moi je cherchais à approcher la famille. Alors le jour où ça s'est fait, bon, très rapidement, j'ai demandé à elle qu'elle peut nous vendre quelque chose, disait, pour manger ou quelque chose. J'ai dit, demande à maman, hein, toujours si maman est d'accord. Elle était d'accord tout de suite, naturellement, hein, et je lui ai fait comprendre que j'étais français. Alors là, il y a tout de suite l'ambiance qui changeait, qui était favorable et tout. C'est un moment de jeunesse, mais sans autre, hein, mais quelques jours d'heureux. Bon, c'est elle qui m'a dit, j'étais malade un jour, on m'a rentré de l'exercice, faisait tellement chaud, je lui tombais dans les paumes. Je vous le dis, je l'ai pratiqué. Là aussi, à la barbe... des Allemands, ils croyaient que c'était sérieux. C'était moins sérieux que ça. Bon, ils m'ont fait rentrer un chariot avec un Polonais. Et le lendemain, j'étais inapte. Bon, j'ai pas besoin de sortir. Alors que les copains sont sortis. Dans votre livre, vous racontez la difficulté à déserter.
Et c'est ça. C'est très intéressant. C'est ça. Et tel que c'est vous ça. Le racontez dans votre livre, c'est pas tout à fait la même chose que ce que vous venez de dire. Le premier c'est, coup. C'est très fort comme vous le racontez. Oui, oui, vous oui, dites, oui. Le moment de penser de s'évader, j'ai dit, bon, même chez les partisans, et la fille, je savais, je l'ai senti, elle n'a pas dit directement, elle ne l'a pas dit, mais j'ai senti que son père est chez les partisans. Seulement, pour s'évader, comme je l'ai écrit, quelques jours, une quinzaine de jours avant, dizaine de jours seulement, j'étais engagé contre les maquis. Voilà, et j'ai c'est tiré. Ça. Engagé et j'ai contre tiré. Les je peux vous dire que j'ai pleuré. Et j'ai pleuré longtemps. C'est moi qui ai tiré la gâchette. Comprenez? Après, peut-être, je ne veux pas dire que c'était automatique, mais tu t'es dit, bon, lui ou nous. Mais cette première fois à tirer contre le maquis, le maquis tirait, mais il tirait un peu partout pour s'évader, pour sortir de cette forêt, pour rentrer dans cette prairie et pour partir plus loin. Ou de l'autre côté seulement, il ne s'attendait pas que de l'autre côté de la forêt, il y a une autre section qui les attendait. Et moi, j'étais avec ma mitrailleuse au bout, hein, vu Jean sur la prairie. Alors, il sortait de la forêt. Vous voyez ce que c'est? Une battue, comme nous, on fait ce soir dans le temps. Une partie de lierre, on s'est tenu busting. Alors le officier derrière moi, il criait comment j'ai tiré au-dessus, premier coup, cachette, les balles, on le voyait. Tous les sixièmes, toute la sixième balle était une balle traçante. Alors vous pensez bien, il a tout remarqué que je tirais trop haut. Alors il m'a dit, mais vous voulez descendre plus bas ou quoi? Vous voyez pas clair, il commençait à gueuler dans la nuit. Alors j'ai descendu, il me pressait avec une botte sur mes fesses. Pour que je tire plus bas. Plus bas! Ces cochons ne veulent pas crever, qu'ils disaient. Alors je tirais. C'était Les Malgré nous. Carnet à deux voix par Geneviève Hutin et Jean-Mathieu Zande. Alsace-Moselle 1997. Aujourd'hui, l'incompréhension, l'insurmontable. Léon Brun, insoumis de la Moselle. Alfred Wahl, historien, auteur de « Les récits d'incorporés de force » aux actes du colloque de Metz. Adolphe Thiel, romancier, auteur de « Ils n'iront plus au bois », édition serpenoise. Louis Gabriel, incorporé de force Mosellan. Jean Kiffer, historien, auteur de l'enseignement primaire en Moselle, édition serpenoise. Freddy Raphaël, directeur du laboratoire de sociologie à Strasbourg, auteur de la construction de l'oubli dans la France contemporaine, revue de la France de l'Est. René Cap, incorporé de force alsacien, auteur de Entre l'aigle et l'ours aux éditions Ranghetti. Igor Futterer, metteur en scène de « La cigogne n'a qu'une tête », une pièce sur l'histoire des Malgré nous. Archivina, Adolf Hitler, Radio Sarrebruck, 1935. Le Gauleiter Wagner à Strasbourg, 1942. Extrait de « Enfin n'en parlons plus », une pièce de Germain Muller sur les incorporés de force. Nous remercions Régine Gessel pour les archives de Radio France Alsace et Jean-Luc Echenlob à Colmar pour la voix d'Antoine Hurt. Mixage Philippe Bredin, Ferdinand Prévost. Réalisation Jean-Mathieu Zande.